imperturbable, Thomas Pesquet qui a touché mer cette nuit au large de la Floride. Dès sa sortie de la capsule, l'astronaute français a fait un énorme sourire, tapé dans les mains des techniciens qui l'ont aidé à sortir et fait les pouces en l'air à la caméra. Tout va bien donc pour Thomas Pesquet. Après six mois dans l'espace, il va devoir attendre trois semaines avant de pouvoir prendre des vacances. un plaisir. Oui, parce que d'ici là, pour lui, le, le programme est chargé. En ce moment, il se rend à Houston, dans le centre spatial de la NASA, pour effectuer des tests de santé, savoir si tout bien pour lui en fait. Puis il va s'envoler dans la journée direction Cologne en Allemagne. C'est là que se trouve le Centre européen des astronautes. Il va y rester jusqu'à la fin du mois et sera soumis à tout un tas d'exercices scientifiques, objectifs, observer l'effet sur, sur son organisme de ce séjour en orbite. Pendant ce temps, il va aussi devoir réapprendre à vivre avec l'attraction terrestre, tout simplement supporter le poids de son corps. Puis tout cela se fera par étapes, en marchant timidement d'abord. L'astronaute français va également retrouver sa famille avant de prendre des vacances. Puis pourquoi pas repartir, alors certes pas sur la Station spatiale internationale, puisqu'après deux voyages, il n'a plus le droit. Mais sur la Lune, il l'espère pour 2024.